Comme vous avez pu le voir, hier, on est bien, bien sortis. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aller à la plage, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai mal, vraiment, j'ai mal. Hein. Just going home, I'm a late, late show. Comment bien commencer une journée devant le vlog. Un café. C'est bon? Oui. Hello guys! Alors, hello Fox! C'est Fox? Oh. Hi, Fox. Bon dia Fox. Parce qu'on avait un prof. On avait un prof d'anglais en seconde qui nous appelait tout le temps Fox. Et en fait, c'est moi. On pensait que ça voulait dire renard, mais en fait ça veut dire soldat. Tu pensais que ça voulait dire renard? Non, meuf, tu savais pas que ça voulait dire mais soldat. Mais si, au début, non. Je l'avais lu dans un livre. Fox, F-A-L-R. Donc hier on est sorti en boîte. C'était trop bien, genre. Attendez, mais arrêtez. On est allé au Cayoban Beach. C'était trop bien, genre non, en gros. Attends. Et faut fermer les fenêtres. En gros, c'était trop bien, genre vraiment, c'était hyper drôle. Il y avait une super bonne ambiance au début, il y avait pas grand monde. Et bah, on conseille. Ah, trop drôle. J'adore. Bon, bah, à tout de suite là, on va à la plage parce qu'on a un petit peu le lendemain de soirée, on s'est couché à 5h. Donc voilà, salut les mifs. Donc là, on est arrivé à la plage, genre vraiment, je suis trop contente. On a trouvé un petit coin posé. Plaisir parce que pour ceux qui ne savent pas, mais quand vous venez à Lisbonne, vous pouvez venir bah, en Uber. Là, on a payé 16 euros, donc ça va à 4. Et vous avez une jolie plage, donc je vous montre. Clairement, on a la plage pour nous tout seuls. Genre, je vais pouvoir faire mes meilleures photos Instagram avec mon beau bronzage, comme vous pouvez voir. Et donc là, on mange un sandwich. Oh, mais il y a encore un cheveu. Mais qui est allé mettre mes cheveux? Voilà. Bon, alors j'ai essayé de faire des photos comme Elisabeth Rioux, mais j'ai pas le corps d'Elisabeth Rioux, j'ai pas le bronzage d'Elisabeth Rioux, j'ai pas le photographe d'Elisabeth Rioux, même si je l'aime bien. Donc finalement, j'ai trouvé une autre activité, j'ai enfilé un pull et maintenant, je fais des ronds. Alors, je vous laisse deviner en commentaire. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Quel est mon rond? Premier rond, deuxième rond. On voit rien, je pense. Ah si, donc là il y a un rond. Vas-y, peut-être. Là il y a un autre. Genre un concours de ronds, puis après un concours de ronds, puis après un concours de plein de trucs comme ça, et après... Bah non, parce que tu vas toujours gagner. On dit les gens, ils doivent... Parce que Noémie est forte en tout, c'est insupportable. Non. Julien, parfois quand il est malade, il délire un peu. Et donc il s'est réveillé, il a commencé à nous demander si il devait payer en briques. Et genre on comprenait rien, donc au début je me suis dit, il veut que je lui dise les noms des briques. Genre vu que, je sais pas, il a dû rêver de la géographie. Et non. Des briques, ouais. Mais genre vraiment pendant 10 minutes on comprenait rien parce qu'il disait, il articulait pas. Putain. Tu sais que c'est genre non mais tu sais ouais, faut que je te. Qu'est-ce qu'on paye en briques ici? Moi je te savais des briques. Je pense que vous avez dû comprendre quel était le topo du jeu. Moi je vais essayer de dire. Premier candidat. Donc le jeu est très simple. Il y a des cercles et il faut viser le cercle. Ah, moins 2. Ah, c'était un chiffre négatif. Coucou, alors là on est en train de faire un petit prank à Bob Strip. Elle s'est endormie sur la plage et on est en train de s'en aller sans elle. Donc j'espère qu'elle mettra cette vidéo dans le vlog. Elle est là-bas. Et nous on s'en va. Elle s'est réveillée, la belle au bois dormant. Et elle est toute seule sur la plage. Donc on est rentré, tout se passait bien, mais en fait j'ai lu un livre et genre il est vraiment nul, genre nul. Et donc je me suis endormie.
J'ai pas mis de crème solaire parce qu'ils m'ont enlevé à la douane et genre ça coûte super cher. Je me suis dit bah c'est bon, genre il est 18h. Les gars, je vous montre ma peau, j'ai jamais eu ça. Maman ne me tue pas, ma mère elle va me tuer. Hein. Vraiment, je prends un mini coup de soleil, je suis enfermée dans la chambre pour le reste de ma vie. Alors là, non, genre, la pauvre, j'avais passé pour un monstre. Non, mais vraiment, vu que j'ai une peau hyper hyper pâle, genre mes parents ils ont toujours fait super gaffe et même moi j'ai toujours fait super gaffe, genre j'ai toujours la crème solaire et tout, mais là bah j'en avais pas et je me suis endormie. Attendez, je vous montre, c'est horrible. Saucisson. Oh oh. Oh oh. C'était la leçon du jour. Vraiment, même si vous voulez bronzer, ne faites pas de coup de soleil. Genre, c'est hyper dangereux, ça provoque des cancers de la peau. Ce vlog, je pense, il est pas très intéressant parce qu'il est hyper court. On était juste à la plage. Mais bon, ça fait partie des vacances, c'est juste. Ok, donc là je viens de tester ça, je vous montre l'évolution. Comparaison outfit. Comparaison des feuilles. Première outfit, Noémie, on va dire casual. Casual. Donc Converse, pantalon noir et pull blanc. Après on a Tom, toujours pas plus avec un KOS, très joli. Un t-shirt Alfie, non, Abercrombie. Un pantalon en toile de chez Zara et enfin des Reebok, très belles. Des Reebok. Finalement, on a notre youtubeuse préférée. Regarde, notre youtubeuse préférée. Je suis plus survette de Julien, beaucoup trop grand car je suis très mince par rapport survette, à lui. Mon survette. MDR. Des claquettes. Pull, oh, ça pull de mon père. Juste, et pour essayer de sauver la mise, le sac. Pour essayer de sauver la mise. Quelle catastrophe. Est-ce qu'on la connaît? Je ne la connais pas. J'ai pris un petit. Mais qu'est-ce qui se passe, Pauline? T'as envie d'aller aux toilettes? Non, non, pour une fois, c'est pas ça. J'ai mal, vraiment, j'ai mal à un point. Mais là, ça me brûle, mais je suis pas douillette, les gars. Je me suis cassé les peaux, j'ai pas pleuré. J'ai même rigolé. J'ai rigolé. Mais là, j'ai mal. J'ai mal, les rayons. Regarde tout. Oh putain, moi non plus, j'ai pas pleuré. Les gars, j'ai tellement mal. Mais juste regardez, mais regardez. On dit que ces gens qui prenaient des coups de soleil étaient idiots.